Question 19. Quel est l'aire au centimètre carré près de la surface latérale du cylindre ci-dessous? Quatre choix de réponse. L'aire, c'est le nombre d'unités carrées nécessaires pour couvrir une surface. La surface latérale, c'est le nombre d'unités carrées pour couvrir une surface excluant les bases. Donc, j'ai mon cylindre. Je cherche la surface latérale. Je vais exclure les bases. Donc, je cherche le nombre de carrés, d'unités carrées que je peux placer. La formule pour le calcul de l'aire totale d'un cylindre est l'aire totale égale 2 pi r au carré plus 2 pi r h. Cette partie sont pour les deux bases. Et ici, j'ai la formule pour la surface latérale. Donc, je vais utiliser 2 pi r h. La latérale, 2 pi r h. 2 fois pi fois le rayon, qui est 6, fois la hauteur, qui est 15. J'obtiens donc 2 fois pi fois 90, ce qui va me donner 180 pi. 2 fois 90, 180 fois pi. Et si j'utilise une calculatrice, je vais obtenir comme résultat 565, nombre limité de chiffres qui suit la virgule. Alors, ma réponse est B, 565 cm². Merci.